On a dit bienvenue à un nouveau tutoriel sous Windows. Donc, je dis à nous parler un tutoriel côté que nous allons apprendre à partir du mode console afficher liste tout utilisateur que nous gagnons sous ordinateur. On parle de utilisateur, on a parlé de compte utilisateur qui est sous ordinateur. Faut nous connaître que Windows ba nous possibilité sur une seule machine pour que plusieurs utilisateurs capables de travailler sous machine ça. Donc, si vous avez un ordinateur là, vous pouvez créer un compte utilisateur pour chaque monde ou gagne un cas là sous même ordinateur. Donc, pour nous capables de connaître liste utilisateurs que nous gagnons sous machine là. Donc là, généralement, là, on a le bouton Start là, nous remarquons par exemple, nous avons un user qui est Lenovo. Donc, l'homme clique sur Lenovo, je suis capable de faire sign out, c'est-à-dire me faire log off, me fermer session Lenovo et compte qui est Lenovo. Comme ça, tout, j'ai possibilité pour moi lock et compte là. Donc maintenant, nous remarquons que par exemple, il y a un autre compte qui va être là. Maintenant, ça nous va le faire. Nous allons utiliser mode console. Donc là, nous allons faire dans la zone de recherche là, nous allons taper CMD. Voilà. Donc nous allons aller en DOS et puis n'a pas comme un prompt. OK. Donc là, rapidement, ça nous allons voir. Nous allons voir commande. Donc commande là, c'est WMIC User Account. Donc en anglais, compte utilisateur, c'est User Account. Et puis, on a utilisé liste full. Voilà, on a utilisé liste full. Donc là, il va nous toutes les informations que le gain de compte utilisateur. Donc, sous machine, ça. Donc là, on fait Enter. Voilà. Donc là, nous allons défiler, nous allons montrer où. Donc, on fait Enter, il va nous informations, Meni. Il va nous premier compte utilisateur, là. Voilà, Meni, c'est administrateur machine. Remarquez pour le moment, Libanou comme statut pour compte ça, qui est administrateur là, Libanou comme statut degraded. Donc ça veut dire que compte ça pour le moment n'est pas activé, n'est pas enable. Donc son compte qui disable. Donc là, statut degraded, ça veut dire que compte ça, son compte qui désactivé sous machine. Donc si nous descendons encore, après nous avons un deuxième compte, ça c'est le compte par défaut. Donc ça c'est le système qui gère les. Le compte administrateur, donc le compte administrateur, c'est compte administrateur de ordinateur, et donc pour le moment qui est désactivé. Et puis nous gagnons un troisième compte, là, nous gagnons un compte guest, donc compte guest là, son compte, il y aurait ça, le compte invité. Donc ça arrive que nous gagnons un monde qui vient dans l'entreprise là, mais qui vient font bagaille pendant une journée, deux journées. Eh bien, nous sommes capables de la possibilité pour utiliser le compte guest, donc le compte invité. Donc, on a remarqué que le compte guest là, lui-même tout, lui, il est comme statut degraded, c'est-à-dire que lui désactivé. Ensuite, nous avons l'autre compte là, c'est le compte Lenovo, que nous sommes tout à l'heure. Voilà, le compte Lenovo. Donc, c'est sous Lenovo actuellement. Et puis, nous remarquons que statut OK, donc le compte Lenovo que nous gagnons là, son compte qui est actif. Donc, qui en fonction. Et puis, nous avons l'autre compte là. Donc, ça, c'est compte, ça a les WDAG Utility Account. Ça, c'est un compte que programme qui est le Windows Defender l'utilise sous système. Là. OK. Donc, en gros, nous avons ouais avec commande ça. Donc, nous avons une commande là. C'est WMIC. WMIC. Espace user account, espace liste, espace full. Et puis, là, nous faisons Enter. Voilà, Libanou liste tout compte qui est sous machine. Mais là, Libanou, information complète sous chaque compte. Donc, kounia, nous avons fait même commande là, mais nous avons fait Libanou et moins d'informations. Donc, pour nous ajouter moins d'informations, ça l'a fait au lieu de liste full, nous mettons liste brief. Donc, le mot brief. Donc, WMIC, User Account, List Brief. Et puis, nous faisons Enter. Donc, là, on a remarqué que Libanou,
moins information. Les bonnes account type, les bonnes caption, les bonnes domaine, full name, name et puis les bonnes SID. Donc, quand il y a là, nous avons nous-mêmes jeunes informations et quelques informations. Donc, ça, nous avons là, nous avons jeunes et par exemple, nom, compte avec et statut. Donc, là, ça a fait, on a fait WMIC User Account. Ok, voilà. Et puis, on a dit get name et puis virgule, on a mis status. On a mis status. Donc, nous voulons nom compte là avec statut compte là. Et puis, on a fait enter. Et là, nous avons une liste tout utilisateurs qui sont sur le système. Là. Donc, là, nous avons actuellement sur la machine, là, nous avons administrateur qui n'est pas activé, default account, ok, qui est ok, guest qui n'est pas activé, Lenovo qui est ok, qui est activé, et puis le WDAG utility account qui n'est pas activé. Donc, ça nous parle faire hier. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Nous faisons une commande qui vous permet nous et une liste utilisateurs qui sont sur ordinateur. Nous allons tout apprendre comment pour nous faire pour nous changer statut yon compte. Donc pour nous changer statut yon compte et sous Windows. Donc là, par exemple, moi j'ai un compte administrateur là. Donc nous avons besoin d'utiliser compte ça pour nous faire on travaille administratif sous machine nan, mais il se trouve que compte ça li pas activé. Donc il y a qui ça nous a fait pour nous tout activer compte là. Donc nous allons faire ça bien rapide. Donc ça nous va le faire, nous allons nettoyer l'écran, voilà, et qu'on y a là nous allons quitter mode console là pendant un petit temps. Nous allons aller sous clavier noir, on a utilisé drapeau Windows R, voilà, et puis on a tapé on a tapé fichier ça, on a tapé L U S R M G R point M S C. Donc là on a tapé L U S R M G R point M S C. Ça libère ben nous accès à et console qui permet nous gérer compte utilisateur et locaux ainsi que groupe que nous gagnons sous ordinateur. Donc, là, on a fait OK. Voilà. Donc, le LUSMGR, c'est Local Users and Groups. OK. Management. Donc, là, nous avons une console qui peut nous gérer les utilisateurs et les groupes locaux sous machine. Donc, là, qu'on y a là, nous gagnons Users. Donc, au niveau de Users, qui ça nous marque? Nous remarquons bel et bien même liste nous tout à l'heure. Donc, nous remarquons administrateur, default account, guest, Lenovo, etc. WDAG. Pas de problème. Maintenant, qui ça nous remarquons? Nous remarquons que compte administrateur, par exemple, avec compte guest là, compte WDA tout, nous remarquons que compte ça, il y a une petite flèche dirigée vers le bas. Mais lorsque petite flèche dirigée vers le bas, ça veut dire que compte ça, son compte qui désactivé. Donc, on y a là, pour nous activer compte là, pas de problème. On a fait clic droit sous compte là, on a fait properties, et on y a là, nous pouvons aller tout simplement en bas, voilà, et puis on a décoché account is disabled. On a décoché lui, voilà, et puis on a fait apply, et puis on a fait OK. Automatiquement, ça nous fait là, il y a une incidence sous Windows. Donc, si on y a allé au niveau de Start, qui ça, on a cliqué sur Lenovo, on a remarqué qu'on y a l'Ibano administrateur. Tout à l'heure, nous va gagner. Donc, on y a le code administrateur est bien activé. Donc, on y a, si nous voulons, nous avons sauté sous compte Lenovo, on a allé sous compte administrateur. Donc, pour nous vérifier ça encore rapidement, que compte administrateur là, il est bien activé, nous allons retourner dans votre console. Voilà. Et puis tout simplement, en mode console, nous allons passer même petit commande à l'heure. WMIC User Account. Et puis, on a fait get name.
Et puis, on a fait status. Et puis, on a fait enter. Et voilà qu'on a remarqué que le compte administrateur statut changé. Statut OK. Donc, compte administrateur là, qu'on a lit accessible sous ordinateur. Donc, mes chers amis, nous sommes comment nous ka, premièrement, joindre information sous compte utilisateur qui sous ordinateur. Et en passant, nous tout ouais comment nous capable faire pour nous changer statut yon compte utilisateur qui par exemple t'est désactivé et comment nous pour nous faire pour nous activer. Donc nous t'est ouais que nous t'est utilisé console ça. Donc nous allons sous drapeau Windows R, nous fait LUSRMGR et puis il va nous accès à console ça et nous t'est ouais comment nous capable faire pour nous activer un compte qui désactivé sous Windows. M'a dit nous merci, m'a dit nous à pratiquer et pas oublier sous poko abonner, sous poko like et sous poko partager. M'a dit nous merci et à très bientôt.